David, the last time I saw you, you were heading off to travel the world and seek inspiration for your cooking and for the menu here at the restaurant. And I'm very eager to hear, what was the place that inspired you the most? Je pense que c'est New York. Okay, voilà. Why was New York the place? Ça a été l'endroit où, au niveau des marchés, le sourcing a été le plus inspirant pour moi. C'était des produits très très beaux, de très grande qualité, de très grande fraîcheur. C'est tout ce que je recherche. So what are we going to find today in your cooking? How would you describe it? Is it traditional French? Is it contemporary? J'essaye de... Je fais aujourd'hui ce que j'ai appris, donc du traditionnel, avec, j'essaye un petit peu de contemporain. Ma carte n'est pas une carte été, automne, printemps, etc. Ma carte est en constante évolution parce que ce soit au niveau des légumes, de la viande ou des poissons, ça bouge régulièrement, toutes les semaines. So it's a focus on local products, I think, and oui. Your own vegetable garden. On a donc effectivement on a la chance d'avoir un très beau potager sur place, donc toutes les herbes aromatiques, une bonne partie des légumes viennent de ce potager. Et ensuite on a des maraîchers et producteurs locaux. Oui. You've got a great career, but I know that chefs have difficult moments. And can you share with us what is the biggest challenge of being a chef? C'est manager les hommes. Il y a beaucoup de personnes dans un restaurant. Ça va du plongeur au pâtissier, aux gens de la salle. Tout ça, c'est une grande famille, une très grande famille. C'est une fête de famille tous les jours, mais avec tout le monde, avec un gros caractère. And so what about, are there certain dishes that are your signature dishes? Les plats phares. Every chef has a favorite dish. What's your favorite dish? Ça, c'est la même chose que la catégorie. Oh, you don't have a favorite dish? Ouais, je me dis que j'ai pas encore 40 ans, donc si je commence à avoir déjà des plats signatures, je trouve... Non, vous savez, c'est... Je pense que c'est après 40 ans, les plats signatures.